Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, pour cette recette, je vais vous montrer une petite farce pour vos volailles, gibier. Ici c'est un petit coquelet, ça pourrait marcher avec un chapon ou une dinde pour les fêtes. Pour cette recette, il va me falloir. Alors une volaille, ici c'est un petit coquelet, hein, c'est une histoire de taille, mais pour les fêtes, une poularde, une dinde, ce que vous voulez, il faudra juste grossir un petit peu les proportions pour cette farce. Ici, j'ai fait donc des proportions pour une petite taille. Alors, j'ai 35 g de pain de mie, j'ai fait tremper dans du lait. J'ai ici des marrons cuits. Alors, les marrons cuits, c'est 50 g. Ici, j'ai 4 noyaux pruneaux dénoyautés. J'ai une demi-échalote. J'ai un peu de 4 épices. J'ai un œuf. Il me faudra aussi prévoir du sel, du poivre. Le 4 épices, j'ai dit. Il me manque quelque chose. Il me manque une pomme. Voilà, il faudra aussi une demi-pomme. Voilà, je suis allé chercher ma pomme. Ok, donc on va tout mettre dans un mixeur. Donc le pain de mie, j'essore un petit peu. Avec ou sans les croûtes, c'est comme vous voulez. Voilà, ensuite on ajoute les marrons. On va tailler un petit peu la échalote. On met tout dans le mixeur, pareil pour les pruneaux. Voilà, donc la pomme, donc une demi-pomme, voire un quart pour cette quantité, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il faudra juste multiplier, donc pour une poularde, vous multipliez par 2, pour une dinde à chapon, il faudra multiplier par 3. Et c'est une farce qui ne sera pas perdue. Hein. Si vous en avez trop, vous pouvez la mettre dans autre chose. Ici, j'ai un œuf. Donc là, on mettra l'équivalent d'un demi-œuf. Une demi-cuillère à café de 4 épices. Du sel. Un peu de poivre, un peu parce que j'ai mis 4 épices, faire attention, voilà, on bouche et on mixe le tout. Une fois mixé, allez, ça fait cette pâte. Voyez, hop, et toute cette pâte, eh ben, on la poche pour mettre à l'intérieur ou vous le mettez comme moi avec une cuillère. Ensuite, vous ficelez un petit peu pour pas que la farce s'échappe, hein. Hop. Et voilà. Voilà. Ensuite, un peu d'huile, sel, poivre, un peu de beurre si vous voulez. Cuisson des parts à froid dans le four. Là, il est de petite taille. Il va mettre une heure à cuire à 180-200 degrés. Si vous avez un chapon, une poularde, un chapon, ce sera plutôt 2 heures. Des parts à froid, hein, à 200 degrés. Allez. Donc, environ... Là, on est à... Alors, j'ai 40 minutes. Au bout de 40 minutes, vous voyez, hop, j'ai rajouté quelques petites râpes, comme ça, là. Et en dernier recours, quelques marrons. Alors, il est super cuit. Les patates sont cuites. Alors, c'est cuit, on regarde là, dans l'angle de la cuisse, si c'est rosé ou pas. C'est juteux, c'est parfait. Alors, voilà. Maintenant, on peut faire... avec le fond
Et un peu de jus là, on pourrait faire un jus épaissi avec un peu de fond de veau lié. Pas du tout, laisser comme ça. Allez, je vous fais quelques photos. Et à vous.